entraînement, c'est à 1000%. À chaque étape de l'entraînement, il faut se mettre en tête qu'on est dans un combat et de se donner à 1000%. On sent que tu extériorises beaucoup là, tu cries, tu... Pourquoi c'est un besoin, c'est juste parce que c'est aussi comme ça au taekwondo, c'est l'énergie négative que je ressors. Tu t'es trouvé comment aujourd'hui toi? Bien. À vrai dire, je suis pas fatigué et je prends vraiment plaisir. Petit à petit, nous avons fait un grand groupe, une grande famille. Quand j'étais la dernière fois en Côte d'Ivoire pour les championnats d'Afrique, je vis un petit enfant faire les différents trucs et je dis, c'est incroyable ça, c'est une qualité exceptionnelle. C'est important, l'image no, de Cheikh Rouh en Côte d'Ivoire, c'est incroyable pour les petits enfants. Champion et c'est également un grand frère pour moi, un ami également. Quel que soit le problème qu'on a, familial ou quoi, il est là, on peut parler avec lui. Tout cela, moi m'apporte beaucoup. Voilà. Je pense qu'on n'évolue jamais seul. Pour arriver à un certain niveau, il faut l'aide de l'entraîneur, il faut l'aide des sparring partners. On a besoin d'être entouré et surtout bien entouré. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite d'un athlète. Nous entraînons pour arriver à essayer les meilleurs résultats possibles pour les Jeux Olympiques. Et ouais, c'est ça. Responsabilité, jamais. Mais beaucoup de travail, oui.